Bon, c'est bon, hein. Du sport à présent, l'Iron Tour est de passage en Haute-Savoie. La troisième étape était organisée aujourd'hui à Sevrier autour de la plage. Course en relais, 150 mètres de natation dans le lac, 4 km en vélo. Les 30 meilleurs triathlètes mondiaux sont réunis. Romain Pelleret et Jonathan Vidali sont rencontrés. La plus jeune équipe de cet Iron Tour 2007. Reportage. Petit repérage d'avant-course pour Aurélien, Vincent et Sofiane. Avec une moyenne d'âge de 18 ans, ils sont les trois plus jeunes compétiteurs de ce triathlon par équipe. Champion d'Europe junior pour l'un, champion de France cadet pour l'autre, tous les trois nourrissent l'ambition de devenir de grands champions. Cette course qui rassemble les 30 meilleurs triathlètes du monde est l'occasion pour eux de se jauger face aux plus grands de la discipline. Là, c'est vrai qu'on est les plus jeunes même par rapport à France Iron Tour. Mais après, il faut un petit peu quand même qu'on s'adapte, qu'on essaye d'aller de plus en plus avec les grands, avec les élites, les meilleurs. Et puis, c'est un peu une technique d'approche, j'ai envie de dire. Il faut bien commencer par là. Donc là, on va essayer de voir où se constitue par rapport aux autres, aux élites. Et puis après, à partir de ça, on va essayer de s'entraîner par rapport, puis essayer de s'adapter. Dans 150 mètres de natation, 4 km de vélo, 1 km de course à pied, ce triathlon dit de courte distance se court comme un véritable sprint. Un atout pour ces jeunes, ils n'ont pas l'expérience des longues distances et leur explosivité physique leur permet de parfois devancer les meilleurs. À l'arrivée, nos jeunes triathlètes peuvent être satisfaits de leur performance. Ils terminent deuxième par équipe avec d'excellents chronos en individuel. Pour nous, le travail d'équipe s'est très bien passé. Il y a Sofiane qui a eu quelques petits soucis à vélo, mais bon, rien de grave. Et puis derrière, Vincent Louis a très bien couru. Et puis moi, j'ai très bien terminé au sprint, donc tout s'est bien passé. Mais il va falloir récupérer très vite, car la course reprend demain. Direction Sallanches pour un sprint par équipe. Un sprint où ils ne seront sans doute plus regardés seulement comme les trois plus jeunes de la compétition. Bravo l'équipe. Bien les gamins.